J'aurais voulu recueillir votre témoignage, si vous le permettez. Bien sûr. Le 29 décembre 1962. Moi, je l'ai vécu, j'avais 6 mois, j'étais né. Donc, moi, je l'ai vécu par oui dire. Oui. Mon grand-père qui avait participé aux opérations de sauvetage, après, il m'avait raconté, tout le village avait participé, donc il m'avait raconté ce qui s'était passé, donc c'est par oui dire. Oui. Moi, je ne l'ai pas vécu directement. D'accord. D'accord. Mais vous en avez entendu parler. Ah, largement, oui. Bon. Dès que j'ai été en âge de comprendre des choses, mon grand-père m'expliquait, tous les gens qui avaient participé de près ou de loin à l'événement en parlaient, donc c'était voilà, j'ai été informé tout de suite. Oui, parce que bon, je vous ai entendu. Ensuite, j'ai regardé un peu la télé, les reportages à la télé, où vous disiez que tous les corps s'étaient réunis, et c'était... Ouais. Je disais surtout que ce qui m'avait marqué, c'était que pendant cette période-là, il y avait eu un énorme élan de solidarité, oui. Qu'on était très très fort en Corse pour être très solidaire quand il y a des drames, oui. Et que je me disais que ça serait pas mal qu'on soit capable d'avoir le même élan au quotidien. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment. À bientôt. À bientôt, au revoir.